premièrement, je salue tout Haïtien qui est aux États-Unis. Je suis content de venir aux États-Unis. C'est un bel pays, je suis content de venir aux États-Unis. Ça qui mène là, c'est un tournoi débordé. Je viens jouer avec plusieurs équipes Haïti qui ont participé. Je me montre que Haïti gagne pour le ball là. Je suis un des meilleurs joueurs ici et je suis fier et je suis content de jouer pour le ball dans le championnat qui a fait aux États-Unis. Et dis-nous comment est-ce que tu as puisque est-ce que c'est pour la première fois ou entrer aux États-Unis et participer dans un tournoi? Oui, oui, c'est la première fois que je suis le premier tournoi aux États-Unis. Et moi, je suis préparé pour moi garder le niveau pour le ball aux États-Unis. C'est vrai que je suis supérieur avec nous, mais je suis cherché un médecin qu'on connaît pour nous jouer. Nous jouons pour les bonnes localités. Fritz, nous connaissons le dernier championnat qui était organisé en Haïti. C'était Coupe du Monde éliminatoire, si je ne me pas trompé. Oui. Et vous êtes sorti comme MVP, meilleur score. Et dis-nous comment exploit ça a été pour vous. Bon, c'est un exploit qui résume avec un travail, une rigueur, une discipline. Pour moi, c'est un travail dur. C'est un état d'esprit normal. Moi, je dis que c'est le travail qui va aller. Je dis à tout le monde faut travailler, c'est lui qui compte pour gagner. L'homme joue pour le volleyball. Il faut travailler, il faut aimer pour le volleyball, il faut pratiquer. Pour moi, l'exploitation, c'est le travail, la confiance et puis non, jamais mon volleyball. Et nous, on est malgré exploit, malgré merveille, en pile jouet, volleyball, Tigoua va faire dans le monde là. Et volleyball là, pour l'organisation, la stabilité dans Tigoua, c'est toujours un problème parce que pas jamais gagner des autorités vraiment qui voulaient investir dans le jouet. Est-ce que on même à partir de l'expérience, est-ce qu'on a un message pour l'autorité, ou at least, pour jeter un coup d'œil sur le jouet en Haïti, spécialement dans la ville de Tigoua? Oui, Tigoua. Oui, c'est spécialité. Si on veut toujours à la plupart des meilleurs joueurs de volley-ball. Oui, mais ces joueurs pas souvent évoluer dans l'équipe là, ils toujours aller gagner à notre club pour bail talent parce que tu peux pas gagner un cadeau normal pour gérer joueur. Au fur et à mesure je vais baisser normalement, la baisser parce que je joueur pas carré de temps pour exprimer non carrière professionnelle plus rapide. Okay. Mais autorité m'a demandé pour mettre même s'il pas en pile, mettre pour gérer ça nous gagner parce que nous gagnons déjà, nous comme je voulais voir là. C'est une spécialité par nous pour notre sport. Pour nous, nous avons des autorités. Nous sommes capables de faire des problèmes. Mais quand même, nous avons des exploits. Pourquoi dis-nous comment débuter dans le volleyball là? Oui. Comment tu as commencé? Oui, j'ai commencé le volleyball. Dans le moment, c'était l'école. Moi, avec l'équipe, avec Antoine, l'école. Moi, dans l'école. Moi, puis, au fur et à mesure, le talent, je prends l'équipe de l'équipe là. Mon champion plusieurs côtés à l'école, moi, qui vient faire remarquer, ça dit à l'époque Tigoua, c'était un côté pour ouais, jeune joueur Tigoua. Mais pour l'instant, il commence. C'est un message pour l'autorité, on est dirigeant Tigoua, mais coach surtout. Pour commencer, mes championnats pour faire ouais, l'autre jeune talent qui vient Tigoua. Parce que je suis là quand même, qui est arrivé ouais, pour ma carrière professionnelle. On est bloqué ça. Oui, j'ai commencé l'école à l'âge de 16-17 ans. Et moi, j'ai venu évoluer dans le game. Jusqu'à ce que je vienne arriver. J'ai une sélection Tigoua là. Et ensuite, une sélection nationale. J'ai venu au club professionnel pour évoluer. Et dans quel club vous avez évolué actuellement là? Je vais évoluer dans Banzai. Ok. Et si tu as un message spécial avec un pile jeune, pour un pile jeune qui fait commencer à jouer au volleyball, ou dis-moi ce que tu as aimé, venir jouer au volleyball, c'est qui ce message là, tapis? Bon, mais ça, je vais dire, pas découragé. Nous, qu'on a Haïti, c'est une réalité. Le volleyball n'a pas pu caber tout ça, nous besoin. Mais quand même, il y a une partie qui a aidé nous. Je vais dire, continuer de travailler, c'est un bel sport, la paix de nous. Ce n'est pas seulement économiquement, la paix de nous tout, physiquement. La paix du jeu, la permettre de jouer plusieurs relations. Bon, je vais dire, continuer de jouer au volleyball, pas découragé. Fritz Emmanuel Mabou, télé XFM, remercie et déjà nous souhaitons bonne chance dans le tournoi ça que vous venez participer dans la cour les États-Unis. Merci un peu. Okay, merci.
Yeah.